partie de Dieu retirée. Quand Dieu enlève une partie de lui-même, voilà, merci beaucoup. Je vous en prie, si vous pouvez vous asseoir. Non, j'aimerais que vous m'excusez si on pourrait d'abord commencer à lire les textes avant que nous puissions nous asseoir. Comme ça, on va s'asseoir une seule fois pour toutes. Non, lisons toujours notre texte familier. Parce que dans ces textes, nous découvrons beaucoup de choses. Il est écrit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Le verset 8 maintenant. En effet, Alain est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, les dons de la prophétie. À un autre, les dons de diversité des langues. Et à un autre, les dons d'opération. Le don d'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Que Dieu bénisse sa propre parole. Je suis très content de me tenir aujourd'hui parmi vous. Car pendant quelques jours, j'étais absent. Je ne pouvais pas me tenir devant vous. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné l'opportunité encore de partager avec vous la sainte évangile. La parole de Dieu est immuable. Car cette parole reste éternelle. C'est pourquoi nous avons l'obligation et la responsabilité de vous enseigner l'immuabilité de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que les choses se passent. Quand on se retrouve dans une ensemble, dans une église et dans un ensemble de saints, sachez-le que nous sommes là pour communier dans la parole de Dieu. Car celle, la parole de Dieu est le fondement de notre foi. Écoutez, dans les textes qu'on vient de lire, la Bible parle maintenant de diversité des dons que Dieu répand au sein de son église. Et je vous ai parlé que les dons spirituels sont des pouvoirs ou des capacités que Dieu distribue à chacun selon sa propre volonté. Et au travers des dons que nous pouvons opérer dans un office quelconque pour l'édification ou le salut de l'église de Dieu. Alors c'est comme ça maintenant que tous ces dons nous sont tellement importants, nous avons la responsabilité de vous instruire à chaque don, comment ces dons s'opèrent, comment ces dons se manifestent. Parce que nous avons une responsabilité d'opérer à une dimension très élevée pour le salut des hommes. Sachez-le bien, que les dons ont pour mission principale de contribuer à l'édification de l'église pour amener l'église à une maturité quelconque. Et c'est très capital. Amen. Alors aujourd'hui, parmi tous les dons que j'avais choisis, je parlerai sur le don de ce qu'on appelle, la Bible dit, à un autre, il a donné ce qu'on appelle le don de miracle. Et c'est par ces dons-là que nous allons parler aujourd'hui, si tout l'ensemble peut dire à haute voix, les dons de miracle. Les dons de miracle. Les dons de miracle. Les dons de miracle. Parmi le meilleur don que les hommes aiment, tous les dons sont importants, mais il y a ce qu'on appelle des dons spectaculaires,
Le miracle en fait partie. Et c'est ce don-là que nous allons aborder ce soir. Le don de miracle. Il a donné aux uns le don de miracle. Je voulais juste ajouter mon touche sur cette vérité. Le don de miracle. Donc, on sous-attend qu'on parle d'abord d'un don et puis on ajoute ce qu'on appelle miracle. Alors, on peut d'abord commencer à parler ou à définir qu'est-ce qu'un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Qui peut nous aider parmi l'ensemble? Parce que je vois souvent les gens, quand ils prient, ils lèvent les mains. Oh Dieu, utilise-moi comme tu avais utilisé. Je me souviens du prophète Chadé qui avait dit la fois passée, il dit, Dieu, dans cette époque, nous sommes plus puissants qu'Élie, nous sommes plus puissants que Jacob, nous sommes plus puissants qu'Élisée, parce que nous, là c'est ce que j'aime, parce que là je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut que l'église voit les choses autrement. C'est très important. Mais il a parlé de cet âge-là. Alors je me suis souvenu de cette génération où à cette époque-là, nos pères opéré dans des miracles extraordinaires. Imaginez, l'homme comme Moïse, cet homme a opéré des miracles extraordinaires. Pensez comme l'homme comme Élisée a opéré des miracles extraordinaires. Voyez comme Élisée a opéré des miracles extraordinaires. C'est cette génération de miracles que nous sommes en recherche. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que le miracle? Qui peut m'aider? Miracle, c'est d'abord quoi? Qui peut nous aider? Voilà, je vois directement. Voilà, par sa définition, on dit ceci. Un miracle, comme ce sont simples de définition, nous pouvons lire ceci. Un miracle, en français, c'est acte de la puissance divine. Donc même Larousse lui-même reconnaît qu'un miracle, c'est un acte de la puissance divine. Donc je vais arriver jusqu'au bout. On dit ceci: acte de la puissance divine contraire aux lois connues de la nature. Oui. Vous rêvez? Ah, parce que des fois je ne vous laisse pas le temps. Ah, donc je comprends. Bon, je vais vous laisser du temps. Bon, comprenez seulement. Bon, on dit, je recommence pour que l'interprète puisse vous aider. Acte de la puissance divine contraire aux lois connues de la nature. Donc, un miracle est quelque chose qui est opéré. Un acte qu'on dit acte de la puissance divine. Donc, même le dictionnaire de Larousse reconnaît que c'est un acte divin qui n'est pas connu à la loi de la nature. Donc c'est quelque chose qu'on peut dire, quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui ne suit pas la cour du monde. Qui n'obéit pas au système de la création. Qui passe dans une dimension inconnue de l'intelligence et de la sagesse. Quelque chose d'extraordinaire. On peut voir l'histoire de Jésus-Christ. Les gens avaient tellement faim. Dans Marc chapitre 6, les gens avaient tellement faim. Après les avoir enseigné la bonne parole, et les apôtres s'approchèrent du Seigneur. Là, je pense que vous pouvez lire dans Marc chapitre 6, dans le verset 35, on parle de cela. Là, le Seigneur va opérer un miracle qui sera la multiplication des pains. Je vous donne déjà l'idée de miracle. On dit dans ce texte ceci. Marc chapitre 6, le verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fit émis de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Ce lieu est désert et l'air est avancé. Renvoie-les afin qu'ils en aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui dirent: comment, que donnerons-nous à ces gens-là? Car avec ces 200
nous avons que 5 pains et 2 poissons. Alors il les recommanda et ensuite de suite, le texte va continuer que le Christ fera maintenant un miracle de multiplication de pain. Donc là, vous voyez que ce ne sont pas des affaires humaines. Il n'y avait que 5 pains, 2 poissons. Le Seigneur rendit grâce et multiplia des pains qui devient une multitude et des foules et des peuples mangèrent. Là, c'est ce qu'on appelle miracle. Donc, quelque chose qui ne suit pas la cour de la nature. Qui n'obéit pas au principe de la vie. Qui est hors du commun. Oh, la réalité des choses. Là, c'est le don de miracle. Alors, le don encore de miracle, c'est encore ceci, je définis, est une démonstration surnaturelle de la puissance de Dieu par laquelle les lois de la nature sont changées, suspendues ou contrôlées. Voilà, je recommence. Est une démonstration surnaturelle de la puissance de Dieu par laquelle les lois de la nature sont changées, suspendu encore et longuepe ou contrôlé tope batale yango bakengeli. Amen, amen. Là, c'est ce qu'on appelle le don de miracle. Wana eza oba bengi likabo ya bikamo. Je vous ai donné l'exemple de Jésus qui a changé d'abord un système de la nature, parce que nous savons que le pain, il faut voir celui qui le fait, il peut faire la multiplication, mais ce jour-là le Seigneur rendit grâce et le pain se multiplièrent. Là, c'est ce qu'on appelle miracle. Donc, c'est quelque chose qui ne suit pas la cour de la vie. Quelque chose d'extraordinaire qui dépasse l'attendement des hommes. Quelque chose qui dépasse même la raison humaine. En voyant quelque chose d'extraordinaire s'opérer, c'est alors là on dira que c'est un miracle. Je peux donner l'exemple d'un autre miracle dans la Bible. Nous voyons comme si Moïse a séparé l'eau de la mer rouge. Il prit et élevé son bâton vers le ciel. Il frappa l'eau et l'eau se séparait. Et le peuple traversèrent. Là, c'est un miracle. Parce que ces choses sont hors du commun. Donc, de la manière où Dieu a fixé la nature ne reconnaît pas que quelqu'un peut séparer l'eau. Nous pouvons voir encore un autre miracle s'opérer dans la Bible. Comme le Christ lui-même marchait sur les eaux. Là, on appelle ça miracle. Parce que d'après la loi de la pesanteur, un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Parce que la force d'attraction va l'attirer. Là, c'est ce qu'on appelle un miracle. Mais nous avons vu des faux miracles aussi s'opérer. Comme nous savons, un papa ici au bas Congo qui a aussi voulu monter au ciel. Il a commencé aussi à monter, C'était un miracle. Il n'a pas obéi au système de la nature. Il sort du système. Il a commencé à monter. Mais le Seigneur de gloire l'a sérieusement frappé. Et cet homme est retourné sur la terre. Mais l'âge là de miracles, de prodiges, aujourd'hui nous ne les voyons pas vraiment souvent ou dans nos milliers. Mais parfois dans les coins du monde, il y a un miracle s'opérer. Le miracle est un grand monde. Donc nous disons toute chose qui n'obéit pas à un système de la création. Nous avons vu par exemple, à l'époque il y a eu un homme de Dieu qui a prié pour un écureuil. Et cet écureuil se ressuscita. Là, c'était un miracle. Donc, quelque chose qui n'obéit pas à la cour de la vie. Si l'église tombait encore à ce pouvoir de miracle, si on avait l'église des opérations de miracle, le miracle atteste la présence de Dieu à un homme. Les gens qui les verront, diront certainement, Dieu est parmi cet homme. Plutôt, Dieu est parmi eux. Le miracle démontre la
la puissance du ciel est une démonstration des choses d'en haut, manifestée sur la terre des hommes. Quelque chose qui dépasse l'attendement. L'intelligence ne peut pas comprendre. Quand on regarde ça, on dit là, c'est un miracle. Là, Dieu prouve qu'il est l'omniprésent. Donc comprenez que le miracle prouve l'omniprésence de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Le miracle prouve à comme l'omnipotence de Dieu. Et là où les hommes ne peuvent pas arriver, Dieu peut opérer quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, bien-aimé. Alors le miracle ou les dons des opérations étaient un moyen par lesquels Dieu passe par un homme pour se faire voir aux hommes. Je veux que vous compreniez cela. Les dons des opérations étaient un moyen par lesquels Dieu passe par un homme pour se manifester sur la terre. Les gens avaient toujours besoin de voir Dieu en face. Un jour, la Bible nous dit ceci. Dieu parla du haut du ciel. Les peuples de la terre attendirent la voix. C'était en réalité le peuple d'Israël. Une pire supportait la voix de l'Éternel. Écoutez, un jour Dieu a porté un corps. Il est devenu un homme. Il a vécu parmi nous. Et c'était merveilleux. Mais nous, on n'a pas vécu à l'époque de Jésus. Tout le monde est à la recherche de voir Jésus. Tout le monde a besoin de voir Dieu. C'est très merveilleux. Alors Dieu se met semble bon. Décide de se manifester aux hommes. C'est-à-dire par les miracles. Dieu quitte son trône. Il traverse le corps d'un homme. Et il se manifeste aux habitants de la terre. Il dit, mais voici l'homme que vous cherchez. Non, plutôt. Mais voici les dieux que vous cherchez. Par les miracles, Dieu crée un passage à l'homme. L'homme devient un traversant du ciel. Par lequel Dieu traverse. Pour se manifester aux hommes. La manifestation de Dieu, c'est par les œuvres. C'est par les œuvres qu'on atteste que Dieu est tangiblement parmi eux. Écoutez, n'attribuez pas seulement les miracles au diable, au diable, au diable, au diable. Là, ce sont des églises formatalistes. Des églises sans puissance, sans prodige. Quand ils voient une manifestation, ils disent, là c'est le diable, là c'est le diable, là c'est le diable, là c'est le diable. Là, ce sont des églises formatalistes. Sans puissance. Les églises basées par des discours, des discours, des discours, des discours. Écoutez, par les miracles, la Bible devient réelle. La Bible devient vivante. Et ce qu'il dit, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Là, c'est certain. Là, ce ne sont plus des récits que nous lisons. Là, c'est la manifestation de la Bible vivante. Dieu sort de la Bible et il se manifeste parmi les hommes. C'est ce Dieu-là que nous voulons. Nous avons besoin de ce Dieu-là qui opère des miracles parmi les hommes. On n'a plus besoin de ce temps-là. Où il y a plus de discours. Mais on renvoie tout le monde à la recherche de quelque chose dans le monde. Le cœur du peuple viendra de Dieu. Le cœur du peuple viendra de Dieu. Il ne viendra pas des hommes. L'église en a besoin. De cet âge de miracles. L'opération des choses extraordinaires. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu a toujours opéré des miracles parmi nous. Et je vais citer encore des co-miracles attachés au don des miracles. Il y a encore des dons ou des co-dons attachés au don des opérations de miracles. On peut les appeler du fruit des dons de miracles. Ou on peut dire de petits enfants de miracles. Amen. Amen. Le miracle comme un arbre. L'arbre produit toujours ses fruits.
Tout arbre a des branches. Alors, au don de miracle, il y a encore des codons de miracle attachés. Ces co-miracles là, on les appelle, ou des petites branches de dons là, on les appelle, ce qu'on appelle couramment la délivrance. Le don de la délivrance. En effet, le don de la délivrance n'est pas reconnu dans la Bible comme un don. La Bible a de preuves que le don de miracle existe. Le don de délivrance existe. En examinant la parole de Dieu, en priant le Seigneur, j'ai demandé à Dieu, mais où est le don de la délivrance? Parce que nous voyons des délivrances opérer dans les églises. Comment les esprits mauvais quittent les corps des gens? Dieu me dira, le don de délivrance est attaché au don des opérations des miracles. Donc c'est comme les co-petits dons des miracles. Et ces dons de la délivrance là, étant donc que Dieu donne aux hommes pour la libération des captives. La délivrance est un don de miracle. Pourquoi? Parce que le don de la délivrance localise un esprit dans le corps humain. Vous voyez, lorsque déjà un esprit vient posséder un homme, c'est quelque chose qui n'obéit pas à la loi de la nature. Parce que dans la loi de la nature, on reconnaît qu'il n'y a pas un esprit qui peut habiter un homme. Mais lorsque le monde satanique s'organise et cherche des demeures sur la terre, et parmi les maisons que les démons ou les diables veulent habiter, c'est le corps humain. Alors quand un homme de Dieu se lève et qu'il regarde une personne à l'église, il dit, je vois en toi il y a un esprit méchant, il chasse l'esprit, la personne tombe par terre et une voix commence à parler. Vous voyez cela ici à l'église, comme la fois passée on a déclaré sur une sœur. Dès que la sœur est tombée, un esprit a commencé à parler. Là c'est hors la nature, cela n'obéit pas à la loi de la nature. Le monde qui peut arriver parmi nous diront certainement, cette église sont des fous. Comme un homme qui est tombé par terre et peut dire, prétendre que quelqu'un parle à travers de lui, que quelqu'un parle dans son corps. Là ce n'est pas la loi de la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est là maintenant qu'on appelle le don de la délivrance. Non, je peux vous prouver dans la Bible, dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 17, le Seigneur dit ceci. Je commence d'abord au verset 16. Non, je prends seulement le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsqu'on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, la Bible va maintenant présenter ce miracle. Écoutez bien. La Bible va maintenant présenter ce miracle. Parce que si vous lisez bien, vous voyez qu'on a mis deux points là. Voici les miracles qui accompagneront. Les deux points en français nous permettent d'expliquer ou de dire la chose maintenant. Les deux points là vont maintenant présenter ce miracle. Lisez bien. Et on dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom. Ils citent maintenant ces miracles. Ils chasseront les démons. Est-ce que la Bible ne peut pas tirer deux points? Est-ce qu'ils ont mis deux points dans la Bible? T'as la bien la Bible, on va tirer deux points. Vérifie bien dans ta Bible. Est-ce qu'il y a deux points? Parce que nous, à l'école, on nous a appris, lorsqu'on met deux points là, on veut expliquer maintenant une chose. Ou on veut présenter une chose. Comme on dit, voici Grady était au marché et il a acheté. Et là, on présente maintenant ce que Grady achète. Voilà, parce que c'est Grady a son bac. Et Jésus-Christ va maintenant présenter ce miracle. Il dit, à mon nom, le miracle est là. À mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez, il présente la délivrance comme un miracle. Est-ce qu'on peut encore revoir ou je peux continuer? Je peux continuer. Oui. Je peux continuer. Continuez. Ceux qui ont fait de beaux études ici en français
peut me contredire avant que je continue. Donc je vois que je peux continuer. Voyez donc, il présente, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont créé à mon nom. Il cite les miracles, il dit, ils chasseront les démons. Là c'est la délivrance. Le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Ce sont des potentialités que Dieu donne à un homme pour chasser les esprits qui habitent dans les corps des hommes. Parce que le diable a choisi le corps humain. Donc le don que nous appelons le don de délivrance opère dans la grande mer qu'on appelle le don de miracle. C'est pourquoi il y a beaucoup des hommes de Dieu qui prient, mais tout le monde n'opère pas dans cet office de guérir les hommes ou plutôt de chasser les esprits dans les corps humains. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et Jésus lui-même dira encore dans Luc chapitre 4, l'Esprit de l'Éternel m'a oint parce qu'il m'a envoyé pour apporter la délivrance aux captifs. Là, c'est le don de la délivrance attaché au don de miracles. Pourquoi? Parce qu'un délivrance, c'est quelque chose qui n'obéit pas à la cour du monde. Il suspend les lois de la nature. Alors, je peux maintenant m'être fondé là avant de continuer au don de délivrance. Le don de délivrance, c'est la capacité de sauver un homme du danger. Le don de délivrance, c'est le fait de libérer quelqu'un de la captivité. Pourquoi l'Église a besoin de ces dons? Parce que l'âge actuel que nous vivons, l'époque que nous vivons, vous avez attendu hier, le prophète a dit, la mission primitive du diable, c'est de rendre tout le monde sorcier sur la terre. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Ésaïe chapitre 26 et verset 13. La Bible dit que l'Éternel, d'autres maîtres que toi, ont dominé sur nous. L'Église a besoin de dons de la délivrance. Parce qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être expliquées. Mais qui s'explique par les airs. Le corps des humains aujourd'hui est possédé par des forces du diable. Le diable exerce des emprises dans la vie de plusieurs. D'une manière ou d'une autre, les gens sont captivés. Alors Dieu a décidé d'octroyer aux hommes ces dons de délivrance. Pour libérer les hommes de l'emprise du diable. Nous avons besoin de la délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de vies sur la terre qui n'obéissent pas aux principes que Dieu a tracés pour eux. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, dans la misère, mais tous ces influences ne sont pas charnelles. Il y a une influence spirituelle qui opère ces choses sur les hommes. Alors je vous dirais d'abord que nous avons besoin de ces dons de la délivrance. Les dons de la délivrance s'opèrent pour les autres et pour soi-même. Pour soi-même, on l'appelle l'autodélivrance. L'autodélivrance, c'est le fait de se libérer toi-même de l'esclavagisme quelconque. Ce sont parmi les dons que Dieu peut octroyer à tout le monde. Et tu as besoin de ça. Imaginez, des fois ça arrive que tu manges la nuit, des fois tu te vois nu, des fois tu te vois dans des conditions les plus fâcheuses de l'histoire. Mais pourquoi, malgré tant de prières que tu fais, tu ne vois pas un changement? Mais dès que tu rencontres quelqu'un qui a les dons de la délivrance, il prie pour toi, tu quittes ta situation là. Pourquoi la prière de cet homme a obéi, mais ta propre prière n'obéit pas? Parce que tu ne possèdes pas en toi-même les dons de la délivrance. Mais comme tout chrétien possède un don, parce que ton don de la délivrance est voilé. Il y a des choses que tu pries, obéis, et certaines choses tu pries, n'obéis pas. Pourquoi? Parce que pour toi, tu peux prier pour ta santé, tu seras guéri. Tu peux prier peut-être pour quelqu'un qui est malade, il verra quelque chose. Ou bien, quand tu tombes malade, tu pries pour toi-même, tu es guéri. Mais quand il s'agit d'un blocage, tu n'arrives pas à t'en sortir. Là,
ta grâce ou le don, la particularité de ta délivrance, n'en perds pas. Ils ont salaté. Amen. Amen. Bon, il y a aussi des gens. Ils appellent un bateau. Qui en Dieu, Dieu en eux exerce une partie, une portion déjà de ce don de la délivrance, mais leur délivrance est basée sur le corps, n'arrive pas à atteindre le quotidien ou la réalité de la vie des gens. Donc ça arrive, tu vois quelqu'un, on déclare pour lui ou pour elle, elle tombe là à l'église, et quand il tombe, les esprits disent je quitte, je quitte, je quitte. Après que ces esprits ont quitté, la personne reste dans les mêmes conditions. Qu'est-ce qui se passe? La personne dira ah, ma délivrance, ça peut bander banda. Na quoi ya kaka, eh, mili mon bima bima. Na mona na pe changement mon côté na fi nga. Là, la délivrance s'est opérée dans ton corps, mais cette délivrance n'a pas agi dans ta vie courante. Wana ko kanga ma estalami na kati ntoto nokasi yango ekotite na kati ya bomo ina ya tongonyo. C'est possible que un esprit peut quitter ton corps, mais l'esprit là n'a pas quitté ta vie. Écoutez, Yoka. Les démons prennent possession des corps. Ils prennent possession des terres. Ils prennent possession des activités. Attention, bien-aimé. Et surtout dans nos églises que nous enseignons l'enfer et le paradis, les gens ont toujours l'habitude de comprendre comme si, ah non, toutes ces choses-là n'existent pas. Je vous dis que ce sont des choses qui existent. Les diables opèrent dans les corps des hommes. Les démons peuvent posséder des terres. Les démons peuvent posséder tes activités. N'a-t-on pas attendu quelqu'un dire que tu as un projet de mariage, mais ton mariage a été bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Les démons ont pris possession du mariage avant que cela n'arrive. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez qu'il y a des étapes où le diable a suggesti les hommes. C'est pourquoi Dieu octroie maintenant les dons de la délivrance. Ce don est donné à tout chrétien qui connaît Dieu, qui vient à l'église. Possède ces dons-là. Les dons soit de libérer les autres ou soit de se libérer toi-même. Tu as besoin de ces dons. Amen. Amen. Alors les démons prennent possession des corps, comme je viens de dire, prennent possession des terres, prennent possession des vies des gens et des opportunités ou des rêves, soit même des promesses. Vous avez lu dans la Bible que Daniel a prié, le prince, le roi des Perses, a freiné ses prières dans le cosmos. La prière de Daniel ne pouvait pas atteindre la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, un homme de la terre, un roi possédant des pouvoirs spirituels, a pu voir la réponse venant du ciel. Il a bloqué la prière. Il fallait que Dieu maintenant lui-même envoie un autre ange, l'ange de guerre. Voyez, c'est comme ça, j'insiste, une personne est délivrée. Ah, tu as une mari de nuit, plutôt tu as un mari de nuit, tu as une femme de nuit. Ah, l'esprit qui, c'est moi qui vis dans son corps, eh, c'est moi qui a freiné. J'aime toujours donner les exemples. Levant un jour, je pense si c'était le mercredi où j'avais prêché, l'une de nos sœurs, après qu'on a commencé à prier pour elle, elle est tombée là. L'esprit a commencé à dire, oh moi, c'est moi qui vis dans son corps, je freinais son mariage au village, même si je quitte son corps, son mariage restera là-bas. Donc l'esprit quitte le corps, mais l'esprit ne quitte pas les mariages, plutôt l'esprit ne quitte pas les enfants. Là, c'est impuissance encore. Montre que le diable a pris possession de quelque chose. Écoutez, le miracle s'opère pour manifester la gloire de Dieu aussi dans la vie des hommes. Le don de délivrance s'opère pour défendre les droits des hommes. Savez-vous que nous avons aussi nos droits? Nous avons nos droits. Nous n'avons pas seulement des devoirs. Oh non, tu dois laisser le péché, tu dois. Là, c'est bien. Mais tout enfant de Dieu a aussi ses droits à réclamer. Donc, le don de la délivrance nous permet de réclamer aussi nos droits. Soit capturé par le diable ou assujetti d'une manière ou d'une autre. C'est donc, je dis encore, il peut être manifesté
Il peut être manifesté pour pouvoir aux besoins temporaires. Donc dans les besoins temporaires de nos vies, les dons de la délivrance peuvent aussi s'opérer. Écoutez, n'ignorez pas ici, nous sommes en Afrique. Il y a des mariages qui sont bloqués par le diable. Ne te trompe pas, je laisse le péché, je laisse le péché. Laisse le péché, c'est bien. Devant ton cause, devant Dieu. Là maintenant, le don de la délivrance va maintenant pouvoir à tes besoins temporaires. Est-ce que tu comprends? Si tu n'as pas ces dons-là, tu peux commencer à crier, pour la même chose. Tu cries, tu cries. Tu ne vois absolument rien. Dans les dons de délivrance, vous avez vu qu'elles s'opèrent dans la vie des autres. Là, c'est ceux qui ont cultivé ces dons-là. Ils peuvent maintenant opérer dans les offices des salis des autres. Mais en soi, tu peux te délivrer toi-même. C'est l'autodélivrance. Toujours dans les dons de délivrance, il y a encore une autre partie de ces dons. Toujours dans ces dons de la délivrance, il exprime aussi la conquête. C'est pourquoi tu verras que beaucoup de gens ces gens-là ont ces dons de la délivrance. Ils vont à la guerre et ils remportent la victoire. Ils peuvent rencontrer des combats, de multiples combats. Et tout le monde dira, il va mourir. Mais on le voit après quelques jours. Il se lève encore. Là, c'est le don de la délivrance. Le combat arrive, mais lui ne fait que conquérir, remporter des victoires. Souvent, nous attendons les gens dire. Donc, ils sont habitués quand un combat arrive, il est vaincu. Il est combattu, il est vaincu. Il est combattu, il est vaincu. Laisse de prier, de crier, de crier. Demande à Dieu l'opération de cette partie des dons des miracles appelés les dons de la délivrance. Ce don est très important. Celui qui a ces dons peut localiser. Donc c'est ce qu'on appelle la géolocalisation. Il peut découvrir. Écoutez, ce don-là peut fonctionner comme un don de discernement. Il arrive quelque part. Il comprend les réalités que je suis en train de vivre. La terre où je me tiens est mauvaise. Il commence des prières. Il chasse les chefs de terre. La terre, il y a des esprits qui les contrôlent. La vie des hommes, il y a des forces qui les contrôlent. Les opportunités, il y a des esprits qui les contrôlent. J'insiste et je te dis encore, le diable ne combat pas seulement les péchés. Le diable combat aussi les intérêts temporaires des hommes. Il combat des choses que toi tu diras, mais cela ne sert à rien. Le diable combat. Je connais une maman que sa fille était combattue juste par sa beauté. La jeune fille avait un problème de la beauté. Une puissance est venue du diable, a imposé la masque de vieillesse. Et là vous me direz quoi? Elle a besoin de quoi? De la délivrance. Ne joue pas avec ça. Je vis des gens dans ma vie qui ont eu des problèmes. Un problème de l'intelligence. Il excellait plutôt à ses études. Et un jour, les mauvais hommes l'ont vu. Ils ont ravi son intelligence. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus intelligent. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'a pas besoin d'autre chose. Il n'a pas besoin de discours, Il a besoin de la délivrance. Que Dieu touche son cerveau, change le système de sa cervelle. Et quelque chose se passe là. Amen. Amen. Celui qui a ce don de la délivrance, comme je viens de le dire, il remporte des combats. Les dons de la
la délivrance encore. Encore une autre particularité. C'est ce qu'on appelle l'impactation. Donc ce don est capable d'impacter. J'ai fini, hein? L'heure est finie. Ok. Voilà. Ok. Amen. Donc nous voyons à ce niveau-là. Le don de la délivrance a encore une particularité. L'impactation. L'impactation est une autre partie de ce don de la délivrance. C'est le fait d'influencer la vie des autres. Celui qui a ce don de délivrance peut déclarer sur quelqu'un que le don a été étouffé. Directement, Dieu ouvre ses dons. Ses dons proviennent du don de la délivrance. L'impactation là provient du don de la délivrance. Il y a, j'ai connu beaucoup d'hommes. Nous pouvons voir l'impactation d'Élisée chez Élie. Élie monta au ciel. Élie a monté le colo. Directement. Balamoko. Élisée fit impacter. Élisée peut attendre sa vie. Que quand il rencontre un homme. C'est don d'impactation aussi. On perd dans beaucoup des offices. Il y a quelqu'un qui peut avoir l'atmosphère de misère. Rencontre quelqu'un. La personne là impacte sa vie. Il quitte sa situation. Donc c'est une branche aussi de ces dons de la délivrance. Ça n'obéit pas aux lois de la nature. Le don là de la délivrance ne demande pas qui t'a bloqué. Vous savez, le don, peut-être le don des paroles de connaissance, des prophéties peut te dire ta vie, tu étais bloqué, tu étais. Mais le don de la délivrance manifeste la gloire de Dieu à une personne. Peu importe les lois qui dominent dans ta vie, quand ce don opère, il change un système. Il change un système. Il fait tomber les lois des familles. Il fait tomber les malédictions. À cause maintenant de l'impactation. Dans les dons de la délivrance, je parle de l'impactation. L'impactation va impacter tous les systèmes de la vie. Rendre les choses faciles. Brise les chemins difficiles. Il trace un nouveau chemin. Il dit par là tu vas passer. Que Dieu vous impacte ce soir. Que l'impactation se manifeste en vous. Je déclare le don de délivrance. Quand tu arriveras quelque part, tu vas impacter. Quand tu arriveras dans un lieu, tu vas impacter. Le problème de quoi? C'est toi qui fais la loi. Là c'est toi qui fais la loi. Là c'est toi qui fais la loi. Là c'est toi qui imposes. Tu n'as pas besoin de connaître ton histoire. Que je suis venu dans une famille maudite. Que je suis venu dans un clan maudit. Moi j'ai l'impactation. C'est à moi de faire les lois. Il dit à Josué, partout foulera les plantes de tes pieds, je te donne la possession. Là c'est l'impactation. Que Dieu vous impacte. Que Dieu vous impacte. Que Dieu vous impacte. Vous allez influencer. Vous allez impacter. Écoutez bien. Il y a un homme qui avait le don d'impacter. C'était Joseph. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. La Bible dit que tout prospérait. Là c'est la délivrance. Il opérait dans les affaires. Tu vas opérer dans le domaine des affaires.
Écoutez, quand Joseph entra dans la maison de Potiphar, ils ne demandèrent pas si Potiphar était maudit dans sa famille. Il n'a pas demandé si Potiphar avait des conflits avec les gens. Lui, le problème était quoi? J'ai le don qui peut changer les affaires. Que Dieu vous donne le don de la délivrance. Ce don-là peut quitter les gens de la pauvreté à la gloire. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Des stériles parmi nous. Des gens freinés parmi nous. On a besoin de ce don. Ce don tangible. Tu vois cet homme. Il arrive. Le don de sa délivrance influence les affaires de son patron. Et il change la cour des choses. Tu dois avoir ces dons-là. Tu dois avoir ces dons-là. L'importance de ces dons-là, c'est ça. L'importance de ces dons-là, c'est ça. Ce sont des gens qui commencent la queue et qui finissent à être la tête. Ces gens-là ont le don de la délivrance. Il arrive dans la vie d'un homme qui était misérable, qui était maudit à cause de la femme qu'il a rencontrée. La femme impacte la vie de cet homme-là. Quitte la misère. Il y a des dons parmi nous qu'il ne faut pas jouer avec. Les dons là changent les conditions. C'est les dons de délivrance. Que Dieu vous donne ces dons-là. Il y a des conditions que tu vis. Tu as besoin de ces dons. Amen na yo wana lokola ya mwana kosheko ezo sepelisa ngai te. Amen na yo wana lokola mutazo bela diabète ezo sepelisa ngai te. Les dons facilitent les choses. Les dons là empêche un homme de chanter des cantiques comme nalela kananga itango nyoso pour na kufe la mama. L'homme là n'a pas besoin de pleurer. Il n'a pas besoin de pleurer. Mais lui au père. 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 Je vois quelqu'un ici qui va opérer à ce niveau-là. Écoutez, je déclare si ton don est délivrance. Qu'il opère pour la libération des corps. Qu'il opère aussi pour impacter des vies. Des opportunités. A besoin de rencontrer ces dons-là. Celui qui a un don ne force pas les choses. Celui qui a les dons des affaires, plutôt les dons de délivrance, il peut toucher ses affaires. Il monte dans les niveaux et tout le monde dit, toi, tu mérites à être là. On a besoin de ces dons. Que notre caméraman m'excuse. Parce que c'est moi qui vais encore conduire la prière. Voici les signes à reconnaître ces dons. 1. Le jour où Mokolo, tu étais bloqué à un domaine quelconque. Parce que tu es bloqué dans ce domaine et que tu as prié, la situation s'est déclenchée. Là, reconnais que Dieu t'a donné les dons de la délivrance. Plutôt, lorsque tu vois ces dons opérer à un domaine quelconque, touché peut-être, tu étais bloqué à un domaine de mariage, de prospérité, tu as prié pour ça, la situation s'est déclenchée. Là, Dieu t'a donné le temps de la délivrance. Je vous donne des signes à comprendre. Et j'insiste encore.
J'insiste encore. Y a-t-il quelque chose que tu as appris? Donc tout le monde avait dit que non, c'est impossible. Et que toi, tu as vu la main de Dieu. C'est que Dieu t'a donné les dons de la délivrance. Dieu t'a donné les dons de la délivrance. Mais ce don-là a des exigences. Voici ces exigences. Ce don-là n'aime pas beaucoup de distractions. Le don de la délivrance nous amène à vivre solitaire. Tu dois vivre dans la solitude. C'est les exigences de ces dons-là. Si tu es celui qui joue à l'internet du matin au soir, tu regardes le Facebook pour des conversations inutiles, tu diminues l'efficacité de ce don. Ce don-là est un don de sacrifice. Ça te demandera plus de jeûnes et de nuits blanches. Tu dois passer des nuits blanches. Mais tu as besoin de ces dons-là. Laisse ces dons opérer en toi. Ne l'empêche pas. Ça peut t'aider dans des situations et des circonstances que tu passes. J'ai rencontré une femme qui était stérile. Je dis si son don de la délivrance opérait et allait déclencher la situation, et quelque chose allait s'opérer. Celui qui a ces dons demande beaucoup de choses. Il doit être une personne qui lit souvent la Bible. Il doit être une personne qui prie hors du commun. J'insiste. Ton mari avait un problème du travail. Toi, tu as prié. Tu as fait quelque chose. Mais tu as déjà les dons de délivrance. Cultive ces dons-là. Respecte ces exigences. Ne sois pas quelqu'un qui se réveille le matin, qui part voir tout le monde, connaître les nouvelles dans les maisons des gens. Ces dons-là n'aiment pas celui qui fait beaucoup de blagues. Évitez de plaisanteries à tout moment. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais ce soir, je déclare seulement, nous avons besoin de ces dons-là. Que Dieu active en vous les dons de la délivrance. Je déclare, ce soir, Dieu va opérer quelque chose en toi. Dieu ouvrira en toi les dons de la délivrance. Mais si tu as les dons de la délivrance, j'insiste encore, je ne parle pas à tout le monde, je parle à un groupe de gens. Si tu opères dans la délivrance, sache-le bien que des signes extraordinaires ne sont pas loin. Cultive cela dans les jeûnes, dans les prières, dans les montagnes. Laisse la nourriture. Sois un homme de sacrifice. Sois un homme de nuit blanche. Cherche la face de Dieu. Que Dieu vous ouvre. Que Dieu vous ouvre. Que Dieu vous ouvre. Le temps de délivrance. Que cela opère. Que cela opère. Que cela opère. Si tu pouvais te lever, je déclare que Dieu te donne le don de la délivrance qui te libérera dans les circonstances et dans les situations difficiles. Amen. 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 Que tu aimes ta condition. Ton amen là ne me plaît pas. Dieu enlève une partie de lui-même.